Devant les représentants du personnel de la collectivité de Corse, Gilles Siméon est le directeur général des services, présente l'organigramme transitoire de l'institution. 8 heures de réunion durant lesquelles sont énumérées les 10 directions générales adjointes et plus de 50 sous-directions. Le président de l'exécutif explique ses choix, précise des points flous et concède quelques rares modifications. L'organigramme est adopté par le comité technique 2 mois après la mise en place de la collectivité unique. Je rappelle que dans les autres collectivités qui ont fusionné, y compris de façon plus simple, parce que souvent c'était des collectivités de même type, on a mis entre 9 et 18 mois pour adopter les organigrammes transitoires. Là, nous sommes 2 mois après la création de la nouvelle collectivité de Corse et nous avons voté à une très large majorité un organigramme transitoire qui va nous permettre de fonctionner, de bien fonctionner. Ils sont 8 représentants à avoir voté pour, tous sont issus du STC. Cependant, 2 autres membres du syndicat se sont prononcés contre le document, avec un représentant du syndicat national des territoriaux. De son côté, la CFDT, qui avait demandé un report du vote, s'est abstenue. On s'est abstenu en raison on a demandé un report en fait pour avoir plus de temps pour travailler, pour approfondir un certain nombre de points. Ça n'a pas été accepté. Il y a des points sur lesquels on était en désaccord. Après, entre la réunion de travail de la semaine dernière et aujourd'hui, les choses sont allées dans le bon sens, notamment sur un certain nombre de revendications qu'on a portées. Donc ça me semblait Vous n'avez pas voulu bloquer quoi. Premièrement et puis illégitime d'un vote contre ne me semblait pas légitime. Les syndicats ont ensuite adopté à l'unanimité les modalités du règlement de la bourse aux emplois. Des discussions autour de la mise en place de la collectivité unique qui se déroule à 6 mois des prochaines élections professionnelles.